Donc, je m'appelle Jeanne, je suis caporale réserviste à la base aérienne de Cognac, intégrée au sein de l'EP, donc l'escadron de protection, en tant que fusil et commando. Sinon, dans ma vie civile, je viens de finir mes études d'ingénieur, donc en alternance chez Safran pendant 3 ans. Et je suis aussi pilote et pilote de voltige. En 2020, j'ai gagné le titre de championne de France. Et plus tard, je souhaite intégrer l'armée en tant qu'active pour faire pilote de chasse, je l'espère, et voler sur des magnifiques avions tels que ceux qui sont derrière. Je suis réserviste depuis 5 ans maintenant. Alors concrètement, la mission qu'on a, c'est la protection et la surveillance, la sécurité sur les bases aériennes. Aujourd'hui, on est en protection du meeting. Donc vous avez vu qu'il y avait des équipes dynamiques. Nous, on est l'élément d'intervention. On sera appelé sur toute intervention concernant les civils présents au meeting. Là, en fait, on a reçu un appel comme quoi il y avait des personnes qui avaient passé la barrière. Donc ça fait partie de notre mission de vérifier leur identité et s'ils ne sont pas amenés à le faire, à les repousser un peu et les remettre derrière la barrière pour des questions de sécurité. À titre personnel, une première expérience dans l'armée qui m'est très utile pour avoir des atouts lors des sélections européennes que je veux tenter. Et puis beaucoup d'expérience, de cohésion avec les différentes équipes, mes coéquipiers, etc. Enfin, ça me conforte dans le fait que je veux vraiment faire ma vie au sein de l'armée, que je ressens que ça m'inspire et que je me sens engagée. Ça demande de la disponibilité, de la rigueur et de l'engagement. Une fierté.